Bonjour, c'est avec ce ton bien maussade que je vous présente la nouvelle collection de papier sur la rentrée des classes. Donc le temps s'y prête. En même temps, la rentrée, c'est lundi ou mardi prochain. Donc je vais vous montrer comment se compose le set de papier. C'est la rentrée. Donc on a toujours nos bonus. Donc c'est du papier en 200 grammes. Donc évidemment, c'est fabriqué en France. Hein. Tout est français. Le papier, l'imprimeur. Voilà, c'est local. Donc il y a des petits bonus avec des étiquettes, voilà, table de multiplication, des petits embellissements. Après on a donc une deuxième partie avec toujours les textes en français qui se rapportent au thème de l'école et de la rentrée scolaire. Des tags, deux tags. Alors ici vous avez, et à l'arrière, vous pouvez utiliser aussi l'arrière si les étiquettes ne vous sont pas utiles. Ici vous avez des étiquettes de cahier et à l'arrière les chiffres et les alphabets avec un style carnet à spirale. Donc vous pouvez les découper pour noter des petites choses. Ici vous avez des bons points à l'ancienne, un carnet de notes, voilà, des cartables. Et là ici sinon d'un tableau noir avec des craies. L'école est finie. Voilà, alors, une première page dans les tons vert bleu, bleu-vert d'eau. Alors, elle est comme ceci. Donc, après, vous avez du papier genre millimétré. Ici, c'est la géographie, donc façon carte à l'ancienne. Et à l'arrière, une page style cahier dans les tons gris. Ici vous avez la taille d'une photo de classe, donc c'est vraiment la taille standard de votre photo de classe. Donc si vous voulez faire une page ou même un cadre photo, vous pouvez l'utiliser comme fond et la customiser avec les embellissements. Alors là c'est la craie façon tableau noir, la marelle. Sur cette page-là, vous avez un fond avec des encres et une classe avec la maîtresse et les élèves. Ah, il y en a qui sont un petit peu rêveurs. Ça devait être moi, ça. Voilà. Et ici, vous avez encore le tableau noir avec des formules de maths. Sur cette page-là, on est dans les tons brique orangé. Donc, on a des fonds, bons points, des carnets de notes. Voilà, billets d'honneur, des tables de multiplication. Et sur l'arrière, quelque chose de plus soft, dans des tons beige-orangé, qui s'accordent avec. Sur cette page-là, dans les bleus-verts, on a les cahiers de dessin, les bons points, et celle-ci, donc, qui est une page sur fond gris, façon tableau gris, avec ici les élèves qui rentrent de l'école, le tableau noir avec le bureau, les petits tableaux, les bons points et les bureaux d'écoliers. Donc voilà pour cette jolie collection. Donc c'est le set de 6 doubles pages et les bonus. Avec, je vous ai mis, donc comme embellissement, vous avez un lot de badges assortis à la collection. Voilà, c'est la rentrée. Ensuite, vous avez une couverture, la couverture d'album de chez Craft O'Clock qui peut aller avec. Si vous faites un album avec ces papiers, vous pouvez la sortir avec. Voilà, je vous montre. J'ai fait une petite sélection au niveau des fleurs de la marque Forella dans les bleus grisés et les blanches un petit peu blanc-blanc cassé. Ensuite, je vous ai mis les plumes de chez Tim Halls. En métal, vous les avez peut-être déjà, ainsi que les boucles de cartable en métal de chez Tim Holtz. Au niveau des œillets, j'ai rentré des œillets en petit format, toujours à utiliser avec la Crocodile qui est revenue en boutique, ainsi que le format grand œillet. Donc là, ce sont les mêmes teintes, mais avec les petits ou les grands. Et je vous ai mis comme embellissement les dots cristal à la feuille d'or de chez Prima Marketing, donc la collection celle-ci Midnight, parce qu'il y a du noir ici façon tableau noir avec
du or, voilà, des teintes qui peuvent aller avec. Et sur celui-ci, qui est Noël, Christmas, vous avez aussi le rouge un peu brique avec la feuille d'or. Voilà, l'argent aussi, ça peut très bien se coordonner avec. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Voilà pour cette petite collection. Eh bien, cette présentation est terminée. Merci de me suivre sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses, des réalisations, des tutos, des découvertes, de nouveautés. À bientôt !